On va commencer par l'association Bordeaux, le DAL. Ensuite, on donnera la parole aux soutiens qui sont là. Après le DAL, on donnera la parole à Solidaire, puisque on expliquera pourquoi on intervient. Bonsoir, bonjour, pardon, excusez-moi. Bon, d'abord, un grand merci à tout le monde, à toutes les personnes qui se sont déplacées pour soutenir les 5 prévenus de l'association Droit au Logement. Donc, comme son nom l'indique, l'association Droit au Logement est une association qui œuvre autour du droit au logement, qui est un droit reconnu par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et quand bien même, pour nous, effectivement, un toit, c'est un droit. Donc, l'association à Bordeaux réexiste depuis à peu près 4 ans maintenant. Nous sommes une quinzaine de personnes à fonctionner en collégial, c'est-à-dire que nous n'avons pas de président, pas de secrétaire, pas de trésorier. Toutes les personnes qui œuvrent au DAL ont le même statut. D'où notre incompréhension aujourd'hui de n'être que 5 à passer au tribunal, alors que notre association, bien évidemment, représente un plus grand nombre de personnes. Excusez-moi, c'est le flash. Donc, pour raconter un peu ce qui s'est passé en faisant vite, au mois de juin dernier, suite à la fermeture des centres d'hébergement d'urgence, 80 personnes, ce ne sont pas que des chiffres, 80 personnes se sont effectivement retrouvées du jour au lendemain à la rue. Des femmes, des enfants, des hommes, des nourrissons, des personnes handicapées, etc. Toutes sortes de personnes se sont retrouvées du jour au lendemain sans logement. En tant qu'association, nous les avons accompagnés dans des démarches tout à fait institutionnelles. Nous avons fait des courriers à partis politiques, nous avons été reçus à plusieurs reprises par le préfet de Gironde, sans qu'aucune solution ne soit proposée à ces familles. Comment dire, début juillet, des familles ont occupé un immeuble qui était vide depuis, qui était vacant. Notre association a continué à soutenir et accompagner ces familles. La propriétaire de cet immeuble nous avait donné l'autorisation aux familles de rester jusqu'en septembre. Pour nous, c'était assez inespéré qu'un propriétaire, tout d'un coup, soit lui aussi sensible à cette cause des mal logés. Donc à ce moment-là, on était plutôt en empathie avec Madame Le Grenaudier et plutôt étonné qu'elle nous propose donc de rester jusqu'en septembre. Ce qui permettait aux familles qui étaient de pouvoir souffler un peu, parce que voilà, être dans la rue avec ses bagages, ses enfants et tout ça, c'est très très compliqué. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, vous pouvez vous-même vous imaginer ce que c'est que de se retrouver du jour au lendemain à la rue. Toujours est-il que cette dame a changé d'avis pour diverses raisons. Qu'on peut supposer voilà, c'est un immeuble qui se trouvait en plein quartier Saint-Michel, ce beau quartier populaire qu'on est en train de rénover et de gentrifier. Donc cette dame a changé d'avis, les familles ont été expulsées au bout de 2 semaines, très rapidement ces familles sont de nouveau allées à la rue, et puis pour nous, association Droit au Logement, c'est le début de 6 mois de galère, je dirais. Le 16 juillet, le 17 juillet, pardon, 4 personnes qui passent au tribunal aujourd'hui ont été perquisitionnées à 7h du matin, puis placées en garde à vue. La perquisition qui a permis la saisie des ordinateurs, disques durs, téléphones, carnets de notes, tout un tas d'affaires personnelles qui ont été saisies pendant plus de 3 mois pour chercher le plan secret pour ouvrir la rue Plantoise, qu'ils n'ont pas trouvé. Nous avons fait une deuxième garde à vue en septembre, toujours de 12h. Voilà, toujours pour répondre à des questions de qui ou quoi ou qu'est-ce. Nous, notre seule réponse, c'est que nous sommes une association qui accompagne les familles dans leur recherche de logement pérenne. On pensait que ça suffisait déjà quand même de garde à vue et une perquisition. Visiblement non. Aujourd'hui, nous sommes poursuivis, moi-même et 4 autres de mes camarades, pour répondre au motif de violation de domicile, dégradation, installation de familles étrangères, maintien de familles étrangères dans un domicile. C'est eux qui ont précisé ce terme, hein. C'est vraiment inscrit dans... Donc pourquoi on est là aujourd'hui, je ne sais pas si ça avait été des familles françaises si on serait là. En tout cas, c'est signifié que ce sont des familles étrangères. Violation de domicile, menaces, etc., etc. Donc bien sûr, nous nions fortement les faits qui nous sont reprochés, ce qui ne nous empêche pas de rester solidaires au sein de notre association des gens qui sont effectivement sans logis. Voilà, que vous dire d'autre, si ce n'est encore une fois de vous remercier. Donc, pour le déroulé de la journée, certaines personnes pourront rentrer dans le tribunal. Ce sont des salles qui sont toutes petites, donc tout le monde ne pourra pas rentrer. Mais on espère que vous serez suffisamment patient pour attendre la sortie du tribunal pour qu'on vous dise un peu à quelle sauce on a l'intention de nous croquer. Donc merci de faire preuve de solidarité. N'oublions pas les familles qui pour nous restent au centre de nos préoccupations et de notre engagement auprès du droit au logement.
les pouvoirs publics ne sont pas aujourd'hui devant les tribunaux. Concrètement, ils ont, eux, un devoir de solidarité, ils ont des moyens d'être solidaires, ils ne le font pas, donc peut-être qu'un jour, c'est monsieur le préfet qui sera au tribunal pour répondre de non-assistance à personne en danger. En attendant, restons solidaires, restons bien unis, et surtout, pensons à tous ces gens qui dorment encore dehors pendant que 5 personnes vont être au tribunal pour les avoir secourus. Merci. Je vais intervenir rapidement pour le syndicat Sud Solidaire en Gironde. Sud Solidaire en Gironde, on héberge le DAL, on héberge beaucoup d'autres associations, je ne vais pas les citer, elles sont trop nombreuses parce qu'elles n'arrivent pas à trouver de logement par les municipalités. Donc on les loge et il se trouve qu'à cette époque où la police est venue, elle a perquisitionné chez nous, dans des locaux syndicaux. C'est la première fois depuis 1975 qu'on perquisitionne dans les locaux des syndicats. Nous étions absents, soi-disant ils ne connaissent pas. En fin de compte, ils nous ont retrouvés pour nous dire de passer chercher les clés puisqu'ils avaient tout cassé, pour essayer de trouver des preuves par n'importe quel moyen, disent-ils juridiques, mais nous on estime que c'est de la répression forte, on ne rentre pas comme ça dans un local syndical. On apporte toute notre solidarité au DAL, ici à Bordeaux, au niveau national. Et je parle au nom de tous les camarades qui sont aujourd'hui au travail, qui peuvent faire venir. On les soutient. Et la cause du DAL est la cause de tout le monde. On ne peut pas laisser les gens comme ça dans la rue. C'est inadmissible. Donc non seulement merci de votre soutien, mais on apportera tout le soutien qu'il faut aux camarades du DAL pour qu'ils ne soient pas condamnés. Merci pour votre soutien et merci à vous. On donne la parole à Mgr Gaillot. Bonjour, merci de m'accueillir parmi vous. Je suis venu soutenir les militants du DAL. Et j'espère bien qu'ils ne seront pas condamnés, car on les admire et on les soutient. Il y a une loi d'obligation d'accueil inconditionnel qui prévoit que toute personne à la rue puisse être hébergée de façon stable. Eh bien, cette loi, elle n'est pas appliquée, donc les militants du DAL l'appliquent. Ce que les responsables de l'État ne font pas, le DAL le fait. Et c'est leur rendre justice que cette action qu'ils ont menée. Et donc j'ai bon espoir qu'on leur rendra justice. Car il n'y a pas beaucoup de militants, vous savez. Et il faut les protéger, ceux qui existent. Et c'est pourquoi on est tous là. Eh bien, l'avenir est à la solidarité. Merci d'être là. Bon avenir. Jean-Baptiste Hérault, porte-parole de l'association Droit au logement national. Merci Myriam. Eh bien, c'est la première fois que 5 militants dans notre histoire, qui a 24 ans, que 5 militants de l'association Droit au logement sont poursuivis. Et pourtant, ils ont essayé à de nombreuses reprises de criminaliser ou tenter de pénaliser l'action du DAL en faveur des mal logés, des sans logis. Donc ça sera pas la première fois que les pouvoirs publics tentent de criminaliser cette association et l'action des militants qui est nécessaire et qui aiguillonne en permanence les pouvoirs publics. Et en 25 ans, des lois ont été gagnées, conquises, comme par exemple, justement, comme vient de le dire Mgr Jacques Gaillot, le droit à l'hébergement, qui est une responsabilité qui pèse sur le dos du préfet, qui est une obligation qui pèse sur le préfet. Celui-ci doit organiser dans le département les moyens d'accueillir dans des dispositifs d'urgence toute personne en situation de détresse psychique, physique, sociale. Or, manifestement, il ne le fait pas. Et ils ne le font pas. Il y a peu de départements en France où cette disposition est réellement appliquée et respectée, tandis que le nombre de sans-abri continue d'augmenter et que l'on voit de plus en plus de personnes vulnérables, c'est-à-dire des femmes, des enfants, des familles entières, des personnes handicapées, handicapées physiques, handicapées mentales, des personnes malades, des personnes âgées, être contraintes de vivre dans la rue. Et vivre dans la rue,
c'est aussi écourter sa vie. C'est-à-dire qu'on meurt à l'âge moyen de 50 ans quand on est sans abri, et à l'âge moyen de 84 ans quand on est logé. C'est-à-dire que l'espérance de vie est de 10 à 15 ans quand on est sans abri. C'est une condamnation à mort de laisser les gens dans la rue. Et le préfet, lorsqu'il ne met pas en œuvre le droit à l'hébergement dans le département, avec tous les outils dont il dispose, et même s'il n'a pas suffisamment de moyens financiers pour payer l'hôtel, hôtel dont nous ne voulons pas d'ailleurs, parce que l'hôtel, c'est pas une solution pour vivre, c'est une solution pour être logé provisoirement quelques jours, eh bien le préfet peut réquisitionner. Qu'est-ce que ça lui coûte de réquisitionner? Ou même de mobiliser des biens publics qui appartiennent à l'État, à des administrations, à des entreprises publiques, à des collectivités territoriales, et qui sont vacants. Bordeaux est une des villes où il y a le plus de logements vacants en France. Plus de 10 000 logements sont vacants. Et on laisse des familles et des enfants dans la rue. Et c'est dans ce contexte que des familles sans logis ont occupé une maison vide, une maison bourgeoise, appartenant à une dame âgée, issue de la bourgeoisie bordelaise d'ailleurs, d'après ce que j'ai pu comprendre, et qui par ailleurs est logée et a quitté la ville, et que cette maison a été occupée. Il y avait tous les signes extérieurs de vacances depuis déjà plusieurs mois, à l'intérieur aussi. Et les autorités locales, policières et politiques sans doute, et peut-être un peu plus que locales, ont décidé de tenter de criminaliser les militants du DAL qui font, comme l'a dit Jacques tout à l'heure, qui font le travail à la place du préfet pour dénoncer justement la brutalité et la cruauté des autorités qui laissent dans ce pays les gens dans le froid et dans la rue alors qu'ils ont une loi appliquée qui ne la respecte pas. Eh bien, aujourd'hui, les militants du DAL et les militantes, parce qu'il y a 3 femmes et 2 hommes qui sont poursuivis pour les motifs qui ont été donnés tout à l'heure, mais nous devons le dire haut et fort, ils sont poursuivis pour un délit de solidarité. Eh bien, c'est inacceptable. À partir de là, c'est la raison pour laquelle, eh bien, on est là. Je vous remercie d'être venus aussi nombreux. On compte bien que la justice fasse valoir le droit. Les charges qui pèsent sur les militants et les militantes sont faibles et normalement ne sont pas de nature même à engager des poursuites. Un véritable harcèlement a été engagé contre les militants et les militantes et le comité DAL. Même les locaux de Solidaires ont été perquisitionnés. Les téléphones portables ont été confisqués. Les disques durs des ordinateurs démontés, ils n'ont rien trouvé. Mais ils cherchent par là, par cette action répressive, à affaiblir le comité, cette association qui est très active à Bordeaux et qui met les pouvoirs publics en face de leur réalité et de leur responsabilité et de leur inaction. Donc pour conclure, nous espérons bien que, comme à de nombreuses autres reprises, les militants qui sont poursuivis seront relaxés et que, eh bien, désormais, le droit au logement, l'association droit au logement pourra continuer à militer et agir de manière concrète en faveur des sans-logis et des mal-logés jusqu'à que les pouvoirs publics prennent leurs responsabilités, réquisitionnent si besoin est, produisent des logements sociaux en nombre suffisant, cesse d'expulser des familles alors qu'il n'y a pas de solution de logement derrière, cesse de fermer les places d'hébergement et de remettre à nouveau des gens à la rue, bref, de commettre un certain nombre de violations de droits fondamentaux qui sont reconnus par la loi et qui sont aujourd'hui très clairement définis et précisés en ce qui concerne leur mise en œuvre par les pouvoirs publics. À toi, c'est un droit. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres associations qui veulent prendre la parole pour apporter leur solidarité? Donc on passe normalement à 14h dans une petite demi-heure si tout va bien.
Bah encore une fois, merci effectivement d'être là. Restons bien tous ensemble, Ouais. Ouais. Vous la connaissez, tous ensemble. Ouais. Voilà. Et dans la joie et la bonne humeur, parce que malgré tout ce qui nous arrive, on reste quand même joyeux. On va pas leur amener un visage défait. Donc il s'agit quand même d'être solidaire dans la joie et dans la bonne humeur. C'est essentiel. Ça, ça les énerve plus que tout. Donc restons avec le sourire et la banane, parce que malgré tout, tout ce temps qu'on est là, on va pouvoir rentrer chez nous ce soir. Donc encore une fois, une grande pensée à toutes les personnes qui dorment à la rue ce soir à Bordeaux. 10 000 logements vacants, plus de 3 000 personnes qui dorment à la rue à Bordeaux, c'est inadmissible. Un toit, c'est un droit.